Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, nous qui exposons des questions, voulons essayer de comprendre et savoir à peu près tout ce qui est possible de savoir librement. Chers amis, on est le 24 avril 2019, 14h25, heure du Québec. Et ça, dans la belle langue de Molière, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Puis appuyez sur la petite cloche pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. J'ai eu beaucoup de commentaires suite à ma publication sur la planète Nibiru. Je voudrais juste vous signaler que ce n'est pas mon opinion. Je vous amène des informations parce que je sais que c'est des questions qui sont importantes à vos yeux pour plusieurs. Moi, j'ai aucune, aucune, aucune opinion là-dessus. Je prends euh, ni le parti, ni l'un, ni l'autre, que de l'existence ou de no la non-existence. Moi, je comprends les changements climatiques comme je vous les explique. Ceux qui veulent avoir les pensées, les foi et les religions qui veulent ont le droit de les avoir. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte à la planète X ou au Niburu. Tout est possible. Et c'est ça, un signe d'ouverture et d'intelligence, c'est que tout est possible. Moi, je vous apportais juste un point de vue des scientifiques et de Neil deGrasse-Tyson, entre autres, que je ne suis pas capable de sentir pour Saint-Saën. Un fraudeur qui a dit tellement de choses grotesques et idiotes que j'accorde pas plus d'importance que ça à Neil deGrasse Tyson. Mais je voulais juste vous donner un autre point de vue parce que c'est ça qui fait que tu deviens plus fort dans ton argumentation, c'est quand tu t'en vas visiter l'autre point de vue et que tu t'ouvres aux arguments des autres. Et c'est ça l'exercice le, que j'ai voulu faire. Un autre sujet qui est euh, intriguant et qui, intresse, qui intéresse tout le monde, et moi le premier, c'est les extraterrestres. La présence d'intelligence supérieure, qui viennent d'ailleurs ou qu qu'elle soit d'ici, peut-être, comme dans le, les, la théorie qu'on va aller visiter ensemble. Ce serait vraiment de mentir que de dire qu'on n'est pas intéressé par le sujet des extraterrestres. Moi, je pense que. Vous vous mentez à vous-même si vous ne vous, vous, vous reconnaissez pas ça. Et on a souvent été, hein, qu'on soit platiste ou pour la Terre ronde, ceci ou cela, naturellement, si es platiste, les extraterrestres, c'est une, une fumisterie de l'élite mondiale qui veut imposer un gouvernement mondial. Mais dire une chose, le gouvernement mondial n'a pas besoin des extraterrestres puis de l'apparition des extraterrestres. Pour établir un gouvernement mondial. Ça fait longtemps qu'il est là, le gouvernement mondial. C'est un gouvernement mondial gauchiste, puant, socialiste. Puis c'est la Chine qui l'installe avec la complaisance de nos gouvernements. Donc, l'extraterrestre qui va venir installer le, la domination mondiale, c'est le Parti communiste de Chine. Donc, ça, c'est un argument qui est tellement faible, qui ne tient tellement pas la route. Moi, je m'intéresse à ce sujet-là. Mais il n'y a aucune preuve. De leur existence. Aucune. Le jour où j'aurai un extraterrestre qui va venir frapper à ma porte pour me parler, j'y croirai. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas des prédispositions à penser qu'ils sont peut-être là. Quand je regarde la technologie dans laquelle on est, à qui ça a, a profité, qui l'a amené, qui a fait l'argent avec ça, je me dis une chose, il y a peut-être des gens qui ont des connexions qu'on n'a pas. Tout est possible. Si vous pensez que les inventeurs sortent d'un vieux sous-sol de pauvres misérables, enlevez-vous ça de la tête, là. Tout ce que vous voyez, les philosophes, les, les dirigeants, en partant des pharaons et plus et avant, les pseudo-inventeurs, les mathématiciens, les ceci, les cela, les créateurs, les inventeurs, c'est tout du monde. Qui ne sont pas du monde ordinaire. Qui était partie, qui faisait partie d'une élite. Qui sont peut-être connectés depuis plus longtemps qu'on pense à ces entités-là, qui sont peut-être déjà depuis longtemps ici. Peut-être sommes-nous ces entités-là nous-mêmes. Peut-être sommes-nous les extraterrestres nous-mêmes. Peut-être que tout ce qu'on a comme histoire, c'est toute de la bullshit. Enfin, tout est possible. Mais maintenant, on va parler un peu de ce phénomène extraterrestre. Par la science, on va aller voir ce que la science, parce que la science de plus en plus tente à, tente à commencer à corroborer l'existence le, le, de la vie extraterrestre. Peut-être que nous sommes nous-mêmes cette vie-là et nous nous revisitons constamment. Tout est possible. On a découvert des étoiles qui ont été observées. Et qui auraient perdu de 20 à 30 de leur luminosité temporairement. On a pensé peut-être que c'était une, une planète qui passait devant ces euh, étoiles-là. Mais apparemment, selon ces mêmes scientifiques, c'est pas possible parce que, disons que si une planète passait devant une étoile, sa lumière serait diminuée de peut-être 1 Alors qu'on se retrouve avec des pertes de luminosité de 20 à 30 ce qui laisse suggérer à plusieurs que peut-être il y aurait des structures extraterrestres, hein, les sphères de Dyson, qui auraient pu être construites par ces intelligences venues d'ailleurs, hein, ces civilisations venues d'ailleurs, ou peut-être nous-mêmes, dans une autre dimension, une autre époque. Aurions construit ces structures-là qui sont. On va y revenir à la sphère de Dyson, qui seraient, dans le fond, ni plus ni moins que des. comme des millions de panneaux solaires devant une étoile puissante. Imaginez-vous l'énergie que vous êtes capable d'aller capter là. Donc, combien de fois on a vu des vidéos où tu voyais des espèces de drôles de structures autour du Soleil? Même on a vu, tout le monde se rappelle, des images, hein? D'une espèce de d'entités qui étaient connectées au Soleil même, en train de sucer l'énergie du Soleil. Donc, on a fait des découvertes assez spectaculaires. On va aller voir ça. Pourquoi les mégastructures étrangères peuvent être la clé pour entrer en contact avec des extraterrestres Rechercher des preuves de sphères de Dyson pourrait être plus fructueux que d'écouter des transmissions radio, hein, parce qu'on sait qu'on... On envoie des signaux et des signaux et des signaux, mais ça ne donne pas grand-chose. Le physicien Freeman Dyson a suggéré l'idée que des extraterrestres avancés pourraient construire des mégastructures géantes autour de leurs étoiles pour aller chercher de l'énergie, entre autres, par exemple. Si vous essayez de trouver le meilleur plan de match pour prouver l'existence d'extraterrestres, vous, vous avez beaucoup d'options. Naturellement, vous voulez une stratégie qui a de grandes chances de réussir. Tout simplement pour gagner du temps, de l'argent et tenter votre chance au prix Nobel de la paix. Depuis près de 70 ans, la plupart des scientifiques ont privilégié la recherche de signaux transmission radio. C'est l'approche classique hein, de SETI, entre autres, la recherche d'intelligence extraterrestre. Et franchement, cela a du sens. La radio peut facilement traverser des années-lumière et la technologie permettant de la, de la détecter est bien connue et très, sens très sensible. Mais est-ce que la recherche de signaux est vraiment la le meilleur plan? Donc, une alternative intéressante, c'est de rechercher des artefacts, des structures extraterrestres. Et nous ne parlons pas ici de Crop Circle, mais de ces fameuses sphères de Tyson, où on a pu quand même euh, observer... Peut-être l'existence de ça dans ce phénomène dont je vous ai parlé, une étoile éloignée de 1400 années-lumière qui s'assombrissait parfois. En 2015, l'astronome euh, Boya John et ses collègues ont décrit une étoile éloignée qui s'assombrissait parfois. L'une des explications était que l'étoile est entourée d'une sphère de Dyson. L'idée suggérée il y a plusieurs années par le physicien Freeman Dyson et que les extraterrestres vraiment avancés construiraient un essaim gigantesque et sphérique de panneaux solaires en orbite au-delà de leur propre planète. L'essai euh, rassemblerait suffisamment de lumière stellaire pour dynamiser le style de vie épanoui des extraterrestres et pourrait parfois gêner, gêner la lumière provenant de l'étoile, l'amenant à s'assombrir de manière intermittente, comme on le voit de loin. L'explication de l'étoile de Tabi semble moins probable aujourd'hui. Les mesures astronomiques montrent qu'il devient plus rouge lorsqu'il s'assombrit, ce qui suggère qu'il est entouré de poussière produite naturellement et pas d'un groupe gigantesque de capteurs de lumière. Bon. C'est ce qu'on semble dire. Mais voyez-vous, c'est vraiment très intéressant comme piste. Et ça nous amène à un professeur qui affirme que les ovnis sont des machines du temps futur. Beaucoup de gens croient que les ovnis visitent la Terre depuis d'autres planètes très éloignées. Un professeur du Montana, hein, de Montana Tech, pense que les ovnis sont beaucoup plus proches de chez eux. Le phénomène peut être que nos lointains descendants reviennent dans le temps pour nous étudier dans leur propre passé évolutif. Je reviendrai là-dessus parce que je voulais vous parler surtout de cette histoire de structure de Dyson. Mais je vais revenir sur cette théorie qui est vraiment, vraiment intéressante. Je vous reviens dans quelques instants parce que je dois aller chercher les enfants à l'école. Mais on met ça sur la glace. Je vous parle de cette idée-là qui est vraiment, qui fait beaucoup de sens. Je vous reviens.